se mettre en vision normale et puis reculer parce qu'on n'est pas censé arriver ici. Tiens, c'est vrai que c'est A. Et salut à tous, c'est Zirlix et bienvenue sur Resident Evil 7. Non. Quoi non? C'est Resident Evil 1, remasterisé 7. Non, si. J'ai lu le titre, c'est Resident Evil Re 7 Make. 7, mais c'est Resident Evil 1, parce que dans le Resident Evil de celui-là, t'as le... comme dans 7, t'as le I de Resident Evil, ça fait le 1 de Resident Evil. Donc du coup, c'est Resident Evil 1 remasterisé 7. Mouais. Et on remercie grandement DJ. DJ de Street Fighter. Non, pas du tout. Ah, merde. Mais c'est bien tenté. Qui est le créateur de ce fanmade de Resident Evil 1. Mais qui en fait est au mode de vue du 7. D'où Resident Evil. Donc j'ai légèrement triché, j'ai pris les munitions qu'il y avait sur le côté là. Donc le bonheur de ce jeu, c'est que c'est exactement Resident Evil 1, mais en FPS. En FPS? Es-tu sûr, Marty? Oula, c'était longtemps ça, yo. Kirby longueur. Alors. Au moins, on n'a pas le temps de chargement des escaliers pourris à la con qu'il y avait à l'époque. Et j'ai envie de dire Resident Double. Ah oui, non, mais là on retourne dans la résidence débile où le mec ne courait pas. Il avait même du mal à prendre les escaliers. Allez, monte. Appuie sur la touche de course. Oui, j'ai trouvé. Alors, je joue en version américaine, c'est extrêmement chiant, j'ai pas l'habitude. Ouais, ASD. Non, ASD, ouais. Parce que, donc, justement, en fait, il a, sur son PC, bizarrement, on ne peut pas changer non, pas la langue d'écriture. Pas sûr. Oh, oula, ça avait, là, hey, ça avait mis du temps. Oh, les munitions. Donc, E pour sur munitions, des munitions, R pour recharger. Oui, truc banal non, de... c'est une habitude, quoi. C'est le truc de... bah, truc banal de FPS. Alors, par contre, pour le menu de jeu, je sais plus que toucher. Non. Majuscule non plus, bon bref. Appuie sur I au cas où. I? I? Moi non, même pas. On verra bien. Ouais, alors, on verra bien au moment voulu. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a des portes qui se marchent très bien et des portes qui marchent. Qui en fait qui sont. Qui sont. Oui, il faut dire que c'est une alpha. Ah oui, c'est une alpha. Alors, ça là, c'est la version alpha 1.5. Pour ceux qui s'y connaissent un peu par rapport aux sorties de. Oh, sorties de ce jeu. Et oui, on peut marcher et tirer en même temps dans celui-là. C'est pas Resident Evil 1. Je ne te crois pas. Je te jure. Regarde, j'avance et je tire. Et à cause de toi, je perds une balle. Donc, oh non, c'est pas possible. Ils ont osé enfin comprendre qu'on n'était pas des robots. Oui. Ah putain, je suis choqué. Merci DJ. Ah, non, mais... encore merci DJ. Ah, je me casse. Ah non, mais non, pars pas. Pars pas trop vite, pars pas trop vite. Il peut y avoir des défauts, je te rassure. Je suis sûr qu'on peut trouver des défauts. Ah, si seulement. Voilà, donc ce que je te disais, c'est que t'as des portes qui s'ouvrent tout à fait banalement et des portes qui s'ouvrent à l'ancienne version. C'est un peu bizarre, mais bon. Peut-être aussi qu'il n'a pas eu le temps de tout refaire. Alpha, Alpha 1.5. Voilà, déjà, c'est énorme c'est le travail qu'il a fait, je trouve ça énorme. Est-ce que ça a un rapport avec la release qu'ils ont fait il y a pas longtemps sur justement le 1 celui qui était sorti sur GameCube? Qui après est ressorti sur PC? Ouais. Non, alors celui-là il a été fait par rapport au fait que Resident Evil 7 était sorti. D'accord, donc ça n'a rien à voir. Oh non, après, c'est la base, je crois que c'est la release justement de Resident Evil qui était sorti sur GameCube. D'accord, ok. Et d'ailleurs, vous l'avez, enfin, je sais pas si je la mettrai ou pas, mais vous le remarquerez par rapport à la vidéo d'intro qui est la vidéo d'intro de celui-là sur GameCube. Parce que celui-là qui était sorti à l'époque sur PS1, il y a beaucoup trop de zombies. La vidéo d'intro était faite en... avec des vrais acteurs. Si tu t'en souviens. Ça remonte à... longtemps pour moi. À la PS1, Resident Evil 1, c'était il y a... Putain, il y a... C'est pour dire, la dernière fois que j'ai utilisé un matériel PlayStation, fermé. Il a planté. Putain. Bah, j'ai toujours mettre 2 Play 1 chez toi, en fait. Bah, t'es que j'avais pas un jeu. Je savais même pas, tu vois. Ah! Je vais mourir! Vite, prends une herbe. J'ai fait un joint. Je peux pas me droguer. J'en ai pas. Oh, j'en ai pas. Et il me semble, je sais même plus comment ouvrir l'inventaire. Donc, alors stockage, la vidéo, le stockage. Je vais y arriver. Absou. Cette vidéo sort à l'occasion du fait qu'aujourd'hui on devait tourner du Resident Evil Révélation, mais on n'a pas le matos. Donc pour le faire, donc il faut attendre un peu. Enfin, on a le matos, mais je suis celui et je suis pas chez moi. Ouais, pour une fois.
C'est pour ça que je me retrouve. Enfin, j'avais pas le matos parce qu'il fallait une carte son par rapport au micro. Et vous verrez, vous comprendrez que c'est beaucoup mieux avec ce micro là par rapport à celui-là que j'avais avant. Oui, parce que à mon avis, je pense que si je parlais chez toi, ça donnerait un truc comme ça. En comparaison ? Ouais. Ouais, non, ça serait. Par contre, je sens que je vais mourir comme une grosse merde. De toute façon, c'est tous ici que vous adorez tous ma voix. Ma voix sensuelle. Non, pas du tout. Ils préfèrent ma voix de. Ah, je supporte pas. C'est horrible, hein. J'avoue qu'elle a tendance à énerver. Oui, t'as vu ça? Ouais. T'as vu ça? Moi qui ne l'entends pas, ma voix, faut dire ce qu'il y a, les gens qui n'entendent pas leur voix, je ne supporte pas ma voix. C'est comme ma compagne, elle ne supporte pas sa voix non plus. Ah, mais ça après. Donc, comme vous l'avez remarqué là, il s'amuse juste à tuer du strumon, hein. Non, non, là, c'est juste pour vous montrer, grosso merde, le jeu, hein. Attention. Hein. Enfin, on n'est pas là pour faire un let's play total dessus, hein. Non, après. On en a déjà eu un de cours, quoi. Oui. Déjà. Qu'on arrive même pas à gérer. À nous. Oh, il y en a qui courent. Et. Voilà. Ouais. Défaut du jeu, mourir se résume à un freeze d'écran. Voilà. Donc. Grosso merdo, il y a beaucoup plus de monstres que dans le Resident Evil de base. Tu veux dire de différence entre les monstres? C'est pas toujours. Non, mais il y en a beaucoup plus. Là, tu vois, il y a eu. J'ai buté. Je sais pas combien de zombies. Alors que dans le premier, t'en tuais 3 au début. Et tu mettais beaucoup de temps avant de retrouver le sien parce que le premier. C'était surtout l'horreur qui planait, l'ambiance. Voilà, parce que le premier zombie que tu découvrais, je crois que c'était celui-là qui était sous la cage d'escalier, t'ouvrais la porte. C'était celui qui était en train de bouffer le corps. Oui, sous la cage d'escalier, non? Non, c'est. Non, dans la salle, ouais. Donc, ouais, il se retourne et en fait, on voit que c'est le premier zombie. Alors que là, tu vois qu'il y a beaucoup. C'est la crise qui fait en général une crise cardiaque. Ou Jill. Oui, ou Jill, c'est ça. Et ouais, donc. D'ailleurs, on a pas choisi le perso là. Non, on choisit pas le perso, tu joues directement Chris Redfield. C'est du sexisme, donc voilà. Alpha. Alpha. Le terme alpha ne pardonne pas tout, quand même. Resident Evil, ça a toujours été connu pour avoir deux CD, un masculin, un féminin. Pas de race. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans tous les Resident Evil, ça a toujours été des duos. Oui, mais peut-être pas que le 0 on pouvait jouer que. Si le 0 on pouvait jouer le mec aussi. Tu peux jouer le mec ou la fille, tu pouvais changer même en cours de partie. Ouais. C'était l'avantage du héros. Donc, comme vous le voyez, donc nouvelle partie, chargée partie, je vais pas charger une partie parce qu'il n'y en a pas de chargée parce que j'ai pas pu avancer dans le jeu que je voulais montrer là. Surtout que rien que pour vous, il a téléchargé la nouvelle version. Mise à jour. La nouvelle version. Qui est sortie. J'ai même pas la date de sortie. Je crois que c'était en février, début février. Ou début janvier. Je sais que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était quand je suis revenu dans la région. Donc, c'est-à-dire. C'était en 2017, de toute façon. C'est cette année. Mais bon, bref, c'est pas si vieux que ça, la dernière mise à jour. Là, quoi, doit avoir 2 mois, je crois. Mais il faut dire que quand même, j'ai kiffé l'animation de l'écran principal. Ah, elle est beaucoup plus sympa que le Resident Evil de base, hein, où c'était juste un. J'aimerais que quelqu'un, s'il a l'occasion de faire ça, puisse retirer le titre et juste garde le fond, c'est. Pour faire un putain de fond d'écran qui a la classe, quoi. Un peu comme ton fond d'écran que t'as. Que j'arrête pas de changer à chaque intro que je fais. Donc voilà, donc le new game, le load game, et bien évidemment, dans cette version là, nous avons le mode mercenary qui a été installé dans. Non, tu sais pas lire. Mercenary! Qui est présent à partir de Resident Evil 4, je crois. Je ne sais plus. Il me semble que la première fois on le voit, c'est dans Resident Evil 4. Donc, je dois t'avouer que moi, les trucs comme ça, je les fais rarement. C'est vrai que d'ailleurs. On le fait dans. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai commencé sur 3DS réellement avec The DBZ quand on l'a découvert. Sur la version. Mais après. Après, je n'ai plus jamais fait de coop, à part peut-être si dans la story du 6 avec toi. Qu'on avait fait hors cam. Dans le 6, nous on avait fait les justices. On a fait que le. Je fais rarement des modes de jeu comme ça. C'est pas mal. Donc, du coup, le mercenary, le banal, qui était. Voilà, j'ai dit qu'il était assez de proche, je crois. Lag un peu plus que le jeu normal. Je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est le nombre d'ennemis. Ouais, ça doit pas mieux. Je sais même pas si tu touches. Je suis une grosse bouteille de. Si l'explosion rouge à côté me dit tout. Ouais, non. Mais comme on vous l'a dit, eux pour ramasser Balachi Patata, tout simplement. Donc là, bien sûr, il prend une statuette digne des plus grands architectes polygonales de l'époque romaine. Attends, le jeu est quand même bien fait pour un jeu qui a été remasterisé en FPS, alors que là-bas c'était juste un jeu de GameCube. Hein.
polygonal. T'es pas polygonal toi? Si, tes lunettes, tes lunettes, tes lunettes elles ont des coins, fais pas chier. Alors là, désolé. Ce sont des faux coins parce qu'ils sont arrondis. Ils sont pas en vie. Toc, ton écran par contre du polygonal. C'est un écran en mode. Ouais, non, mais c'est un donc, très bon remake. C'est un très bon remake. Ça change trop bon remake. Il faut vraiment que je m'y intéresse et que je finisse pour de bon. Mais il est très dur, il est très dur, pardon. Il est très dur, c'est un jeu très dur. Il faut dire, pour ceux qui me connaissent vraiment, j'ai horreur de Resident Evil, pour le fait que vous devez être raison, hein, mais pour moi, hein, c'est vraiment un truc. C'est le mode robot. Après, moi je suis d'avis à l'école de Resident Evil, moi je kiffe ça. J'aimerais beaucoup de trouver justement. Pas forcément le même style, mais un truc qui s'y rapproche. Oui mais voilà c'est... Mais bon, ça, pour moi ça a tendance, ça a tendance à m'énerver en fait, le fait de ne pas pouvoir... Mais regarde, tu vois, là on peut se déplacer en tirant, c'est pas pour autant que tu l'utilises vraiment. Ouais mais... Soyons sincères, si t'étais dans la... Si t'étais dans la, c'est arrivé vraiment, tu tirerais, tu bougerais, tu... Enfin, je veux dire, tu courrais pas tout en tirant quoi. Tu dois te poser, si tu vas viser... Si j'étais en face de moi, dans la virée, je marcherais tranquillement pour m'en éloigner. Oui. Je courrais pas. Mais je peux dire, voilà, des zombies comme ça, tu peux quand même te poser et viser. T'es pas obligé de courir dans tous les sens pour faire. Mais bon, quand t'as les chiens zombies qui débarquent et tout ça, ouais, là t'aimerais bien pouvoir te barrer et tirer en même temps, c'est sûr. Même les cœurs, hein, les espèces de trucs. On va prendre un exemple sur Walking Dead. Et c'est vrai, parce que pour mentionner un des défauts de la série, les zombies sont. Il y a des zombies dans ils sont lents. Et tu vois pas comprendre pourquoi ils tournent dans tous les sens. Alors qu'ils ont largement dû tuer avec avec une barre amie si ils veulent. Tu comprends ça. C'est un peu suspense. Oui. Mais pour attraper le type qui est en train de le regarder, il s'en blinde les yeux, non, il tourne la tête. Oh my god. Voilà, un banal mode mercenaire comme vous voyez. Pas. Si, je sais pas s'il compte le faire, le créateur compte le faire, mais c'est vrai que ça se ça demanderait un serveur. Alors, à part s'il parle. Alors, si vous cherchez ce jeu, voilà, Rome Station, ça sera le plus simple. Alors, il faut savoir que comme ce n'est pas un Mac, on appelle ça un Mac. Oui, c'est un Mac. C'est un Mac. Ça, c'est sûr. Oh putain, je y a du... Bah, au revoir. Tente pas de bouton. J'ai pas une mission, je me casse, moi. Non. Ah oui, pour ceux qui connaissent Monty Vision, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de munitions pour monter les escaliers. C'est lui qui est monté lui-même. Ouais, mais ça, tu vois que ça galère un peu. Parce que Xbox, il ne peut pas... La Xbox. Oui, la Hitbox. Avec une meuf. Oui, mais c'est vrai. Ah, mais ouais, peut-être qu'on me vient dans ta tête. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est bien d'accord. Peut-être qu'on n'est pas encore au top. Bon, je suis dans un cul-de-sac. Donc, je vois plus rien. Mais oui, pop devant moi. Pop devant moi. Pop, c'est ta façon de danser. Ah, je sais pas. Vous pouvez pas. Aïe. Ouais, voilà, je suis. La mort n'est pas. Oh, on a du mal à parler dans cette vidéo, ça. Il y a du moment où j'arrive plus du tout, quoi. C'est un truc de fou. Je disais, la mort est un peu décevante quand même. Ouais, après, j'ai envie de te dire. Oh, l'animation juste de. Est-ce qu'elle était mieux de faire tomber la caméra. Est-ce qu'elle était mieux dans les anciens? Ouais, ton perso. Non, c'est vous, il avait marqué, vous êtes mort. Voilà, mais tu le voyais tomber, il prenait le coup, c'est pas la terre, le zombie parfois venait de penser. T'avais des trucs comme ça, t'avais un peu plus. Là, le truc, c'est en fait. Par rapport au FPS, je puisse comprendre qu'il n'est pas arrivé à le faire et que je comprends pourquoi il a fait le système de barre de vie à la Medal of Honor ou un truc comme ça où t'as le rouge qui grandit de plus en plus. J'adhère bien, ça gêne pas trop spécialement. Ouais, le petit symbole de vie à l'ancienne méthode était pas mal non plus, hein, c'était le même système. En vrai. Celui-là utilisé justement dans Resident Evil 7 où en fait pour voir ta vie, t'avais ta montre, tout simplement, t'avais ta montre qui te disait ta barre de vie. Mais là, je te ferais remarquer que le flingue n'avait pas de main. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai vu que ça. Le flingue, si, le flingue n'a ah, véridique, tu regardes, genre. Tu regardes en fait le flingue quand il est sur le côté. Tu vois bien qu'il est tenu par rien du tout. Parce que quand tu tires, en fait, la gâchette n'est prise par rien du tout.
Vous me le direz en commentaire. Je n'ai pas fait gaffe, mais il me semble qu'il y en a. Enfin bon, bref, voilà, un petit jeu que je voulais vous montrer. Mais il a l'air fort sympathique. Et, ça oui. Ça doit faire plaisir oui. De se revoir. Ah, ben, moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai montré justement à. Master Sparda. Master Sparda, voilà. Putain, je commence à habiller non maintenant, les collègues. Ça va être vraiment d'ailleurs, vous êtes qui vous. Au revoir. donc, ouais, je l'ai montré à Master Sparda qui est un grand fan de Resident Evil. Il m'a dit que ça le kifferait bien, mais bon, après lui, c'est ordinateur. Hein. Il sait pas ce que c'est. Voilà, il a oublié ce que c'était. La dernière fois que j'ai une console, lui... montre-lui une console, il va t'expliquer de A à Z de comment ça marche. La dernière fois que j'ai sur Master Sparda, j'ai fait il est où ton PC? Il m'a fait. Quoi? Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Il pas l'existence. Lui, il y a la console, voilà. Mais après, voilà. Après, il faut dire qu'en chacun, fait, chaque... groupe, il y a les joueurs console voilà. Et deux joueurs PC uniquement. C'est toi et moi. Oui. Peut-être 3 si Dave s'est décidé vraiment à. Non, il ne fera jamais. De Dave BZ s'est décidé vraiment. Oh, faudrait qu'il change de PC. Mais quand je fais le PC, de toute façon, il oui, prend feu. Donc oui, oui, non, non. non, non. Mais voilà, présentation d'un jeu qui me tenait à vous montrer, à cœur de vous montrer. Merci encore à DJ. Vous c'est voyez en bas. Bien. À DJ, vous voyez bien en bas à gauche son nom, son pseudo. Pour cette version du jeu. Et ma foi, on va s'arrêter là et on dit au revoir, on se casse. Ouais, d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous avez payé cette démo, non, je déconne. Une peine si vous avez payé cet alpha, vous m'avez fait voler. Une peine de bière ouais. Un whisky. Allez, un whisky. Allez, au revoir tout le monde, ciao. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé.